Ça fonctionne? Impeccable. Bonsoir mon ami Kylian. Écoute, je me dépêche parce que j'ai du monde qui vient manger à la maison. Donc j'ai accordé juste avant de faire la petite vidéo mes différentes cordes. Donc la première sur laquelle je joue en G, la seconde en D et la troisième en A. G, D, A. Si je les fais sonner une par une, ça fait ça. G. Juste trouver le bon endroit où toucher la corde parce que le son n'est pas le même à chaque fois, donc c'est ça le plus compliqué dans cet instrument. Bien appuyé sur l'archet. Je vais faire un autre réglage qui sonne pas mal aussi. Je coupe la vidéo, je reviens. Je ferai un montage. Après le montage, donc maintenant j'ai fait G, D, G. Un G aigu et un G grave. Ok, pas trop mal. Que je regarde parce que j'ai l'accordeur qui est juste là. Et à bien écouter, c'est pas terrible, terrible quand même. On va rester sur le A. Après, ce que tu peux essayer, je sais plus comment tu m'as dit que tu avais fait tes cordes, mais c'est d'épaissir les cordes, les rendre un peu plus grosses pour qu'elles. Sur la première, je mettais au départ 30 brins de crin de cheval, 30, 40, 50, et je me suis aperçu que déjà le crin de cheval blanc s'usait plus vite. Le crin de cheval noir a l'air d'être plus résistant. Donc du coup, j'ai changé de méthode et je mets 40, 40, 50 et en tendant quand même un peu plus pour avoir quand même la différence de notes. Et ce que tu peux peut-être essayer de faire aussi, c'est de voir à essayer de mettre plus de longueur entre tes clés et ton pont. Essayer de baisser le plus possible le pont pour essayer d'avoir si tu veux quelque chose d'un peu plus grave à essayer. Un troisième morceau dans le montage vidéo. Donc un ami m'en a fait un, mais beaucoup, beaucoup plus grand. Pour avoir justement cette tonalité de basse. La différence, on est côte à côte. Toi, il y a de la marge. Ce qui ressemblerait en longueur au tien. Bon, celui-là est un petit peu spécial, notamment parce qu'il y a des clés mécaniques et des cordes en fer. Et celui-là donne ceci comme son. Donc on est très loin des clés et du pont avec un T ou avec un D, ça dépend. Il y a que les vieux qui peuvent comprendre. Et puis le fait d'avoir une corde en acier mais qui soit déjà un peu plus balèze, c'est ça qui donne le son
grave. Oh.